Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur DHTV1, votre média d'information qui vous informe sur toute l'actualité people, politique, sportif et culturel et des faits de société et santé en Afrique et partout dans le monde. Veuillez partager et liker et vous abonner massivement. Veuillez aussi activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Veuillez aussi laisser vos points de vue en commentaire. Mesdames et messieurs, merci de nous prendre en marche. Voici à présent l'actualité du jour. Nous allons à présent commenter l'actualité du jour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du jeune artiste ivoirien Ramba Junior qui s'est fait tabasser dans un restaurant à Abidjan. Deux jours après la fuite de la vidéo polémique montrant le jeune artiste Ramba Junior être violenté, on connaît enfin la véritable raison qui a occasionné cette scène de violence. Dans son émission Showbuzz de ce lundi 19 septembre 2022, l'artiste coupé décalé Moulukuku DJ a expliqué les faits qui ont entraîné cette vidéo scandaleuse. C'était dans un restaurant au quartier. Le jeune artiste Ramba Junior est rentré dans le restaurant et le gérant n'a pas accepté qu'il soit dans le restaurant. C'est les clients qui ont demandé au jeune artiste Ramba Junior de les rejoindre dans leur salon. Et quand le gérant l'a vu, il a demandé immédiatement au petit de sortir. Il a commencé à le violenter, dit-il en vain de poursuivre dans son récit. Le jeune artiste Ramba Junior a voulu se débattre. Il n'a pas fait attention, son bras a versé le plat d'un client. C'est ainsi que le patron du restaurant a été alerté et les deux se sont jetés sur le petit, a-t-il conclu. L'animateur de l'émission Showbuzz Moulukuku DJ tient à préciser avoir reçu cette information du producteur du jeune artiste Ramba Junior du nom de Badro Escobar. Voilà donc toute l'histoire qui se cachait derrière cette vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Ainsi prend fin cette nouvelle note d'information sur DHTV1. N'oubliez pas de partager, liker et de laisser un commentaire. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner sur notre page Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube et Dailymotion pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle vidéo.